Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo relativement courte, juste pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis absent de Raid Shadow Legends pour les quelques derniers jours que nous avons passés et les raisons principales aussi pourquoi que je n'ai pas fait de vidéo dans la dernière semaine. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui arrive, j'ai été touché aussi, pas personnellement, par la COVID-19, mais j'ai des gens proches qui ont été touchés par la COVID-19, donc ça a un peu chamboulé mon monde. Et puis, des choses se sont passées et tout et tout. Je suis aussi... la raison principale est vraiment que je suis présentement en déménagement. Ben, je suis pas en déménagement, je suis en préparation de déménagement. Je déménage le 15 avril. Et donc, en ce moment, nous sommes beaucoup dans mettre les choses en boîte, serrer toutes les choses, commencer tous les préparatifs de déménagement et toutes ces choses-là. Et on ne sait même pas encore si nous allons avoir le droit de déménager, si les personnes qui ont acheté notre maison vont pouvoir déménager dans notre maison et si nous allons pouvoir déménager dans notre nouvelle maison aussi. Donc, ça ajoute beaucoup de stress à la vie familiale. Il y a aussi le jeu Overprime qui a sorti en alpha le 18 mars. Et le jeu Overprime est comme un jeu, la suite du jeu Paragon qui a été fermé en 2018 au profit de Fortnite par Epic Games. Et il y a des petites compagnies ici, des petites compagnies indie qui ont repris le projet en main et qui ont décidé de refaire un jeu semblable à Paragon. Et nous en avons eu un de disponible à partir du 18 mars. Donc, je joue beaucoup aussi à Overprime, qui est un MOBA 3D en third person shooter, vision à la troisième personne. Vraiment un très beau jeu et très bon jeu qui est tout à fait gratuit, mais qui pour le moment n'a pas. Ne possède pas de serveur pour jouer. Nous devons y jouer via des IP en peer-to-peer. Donc, je joue principalement à ce jeu en ce moment. Mais je continue à m'occuper de mes comptes sur Raid Shadow Legends. J'ai un peu perdu l'intérêt de Raid Shadow Legends, surtout à cause que c'est un jeu qui demande vraiment aucune implication. Vous cliquez sur un bouton, les choses se font et... Il n'y a pas d'action, il n'y a rien y a rien vraiment à faire dans le jeu en dehors de regarder l'écran. Et ça commence à m'ennuyer un peu de jouer à ce genre de jeu. Ça me prend un jeu où ça bouge beaucoup, c'est pourquoi je joue à Overprime aussi en même temps. Mais je vais revenir plus actif sur Raid une fois mon déménagement qui sera effectué, où j'aurai plus de temps à mettre. Je ferai des vidéos encore, je recommencerai à faire des vidéos, mais je mets les vidéos sur pause en ce moment pour les raisons que nous connaissons tous, la COVID-19 et puis le déménagement qui est en préparation et tout, le stress de tout ça fait que j'ai un petit peu de misère à faire des vidéos avec un esprit tranquille, un esprit vraiment analytique, donc... Je me limite à tout simplement faire les choses que j'ai à faire dans ma vie quotidienne et jouer un petit peu à Overprime et à Raid Shadow Legends. Je vais reprendre les vidéos. Donnez-moi encore à peu près 2 semaines, le temps que le déménagement soit fait, que nous soyons installés dans notre nouvelle maison. Et je recommencerai les vidéos sur une base presque quotidienne dans ce temps-là. En même temps, j'aimerais vous faire part d'une petite chose ici que vous voyez dans le coin de l'écran. Vous voyez un écran, une petite chose qui est écrit pub vue avec un numéro, avec un nombre. Je crois que c'est le nombre 16. Ce nombre est le nombre de pub vue. C'est un. Je vais vous expliquer. C'est ici, juste ici sous mon visage. Ça s'appelle Utip. C'est un moyen de m'encourager. Dans ce que je fais, qui est tout à fait gratuit pour vous. Il s'agit tout simplement de regarder des pubs sur Internet
des petites pubs qui durent peut-être 10 secondes, 12 secondes. Vous avez la possibilité de regarder 4 ou 5 pubs par jour. Ça ne me donne pas grand-chose. Ça me donne comme environ 2 sous de la pub que vous regardez. Mais ça, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit pour vous. C'est tout à fait gratuit pour moi. C'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a aucune inscription nécessaire et tout et tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur un lien. Je vais mettre le lien de Utip dans la description du vidéo. Et je vous demanderai si ce serait possible pour vous de m'encourager et de m'aider en allant regarder des petites pubs sur ce site. Ça va vous prendre environ 2 minutes dans votre journée. Vous allez regarder 4-5 petites pubs de 10, 12, 15 secondes. Et moi, ça va m'encourager et ça va m'aider à continuer. Vu que présentement, je suis au chômage et à cause de tout ce qui se passe avec la COVID-19, le stress est vraiment immense. Et si je peux recevoir juste un peu d'encouragement et de monde qui peuvent faire ça pour moi, c'est gratuit, comme je le répète encore, c'est gratuit, c'est absolument gratuit pour tout le monde. Et il s'agit juste de prendre peut-être 1 minute ou 2 dans votre journée pour regarder 4 ou 5 petites pubs. Et moi, ça va m'encourager beaucoup, beaucoup, beaucoup à continuer. Et je vous demande aussi, si vous aimez le contenu que je publie sur ma chaîne, mes vidéos, mes guides, ces choses-là, de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour recevoir des notifications et de venir me voir sur Twitch. Gonzalez The Gamer sur Twitch, je suis présent. Je suis là presque à tous les jours sur Overprime. Je joue à Overprime, donc si vous êtes intéressé à voir ce que c'est Overprime, vous pouvez me voir là. Sur ce, je souhaite à tout le monde de passer une bonne journée. Je vous demande de faire très attention à vous, de rester à la maison, de sortir le moins souvent possible, que ce soit absolument que pour des nécessités nécessaires. Ne sortez pas à l'extérieur, restez à la maison et attendez que la vague du COVID-19 soit passée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, on se revoit bientôt. Peace.